Bonjour, bonjour, ici Sir Abraizen pour servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Midnight. Alors, la dernière fois, on était arrêté ici. On avait récupéré du café, ce qui nous permettait de bouger des planches, enfin des caisses. Oh, j'ai oublié d'aller arroser ma petite plante. J'espère qu'elle ne m'en veut pas. Je me demande ce que ça va donner. Une petite fleur, vous avez gagné un nouveau cœur. Oh, c'est bon ça. Donc maintenant j'ai 3 cœurs. À quoi ça va me servir? Je ne sais pas, puisque de toute façon, toutes les minutes, je perds mes vies. Donc on a vu la dernière fois qu'il y avait un chemin qui pouvait être débloqué, vu qu'on avait eu le café, et que le café nous permettait de bouger des caisses, mais qu'il nous fallait quelque chose pour renvoyer les flèches. Donc là, on va récupérer une clé du phare. Donc on va pouvoir ouvrir le phare, ce qui va être sûrement notre prochain donjon. Et on voit que il ne reste plus que quelques secondes. C'est pas grave, on va attendre tranquillou la fin des secondes. Donc j'espère vraiment que cette série vous plaît. Je vais voir si je peux refaire un petit. Non, il n'y a plus rien. J'espère que c'est vraiment que cette série vous plaît. C'est des mini-épisodes de 5 minutes où on fait énormément de choses par rapport au jeu, puisque le jeu, de toute façon, se découpe en 1 minute, comme vous avez pu le voir. Ah, tiens, bonjour. T'es pas là avant. Passe à l'usine le plus tôt possible. Tu as une de ces. D'accord. Bah oui, mais il faudrait que tu me dises où est-ce qu'elle est l'usine. On a la clé du phare, donc maintenant on peut rentrer dans le phare. Alors, rentrons dans le phare. Qu'allons-nous trouver dans le phare? Je ne sais pas. Là, on voit qu'on a une porte. Oh! Lampe torche! Oui, logique. Dans un phare, qu'on ait une lampe, c'est logique. Ça ne me choque pas. Donc là, on va pouvoir faire tous les endroits qui sont style grotte. Ce qui peut être très intéressant. On va attendre la fin. Oh! Bonjour, on est mort. Jour, je ne sais plus combien. Et maintenant, on peut faire les grottes. Alors, il y avait une grotte en bas, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Non, là, c'était bon. Je cherche ce qu'il y avait les grottes. Oui, il y avait une grotte cachée là. C'est ça. On a la grotte en haut, mais on avait vu une grotte qui était cachée par ici. Et maintenant, on voit ce qui se passe. D'accord. D'accord. Donc là, on a la porte et ça a l'air d'être un boss. Donc ça a l'air d'être des donjons, hein. Des donjons. Je vois pas comment on peut faire des donjons en si peu de minutes. Donc par ici, par exemple, on n'a pas forcément grand-chose. Donc il va falloir aller voir à la prochaine zone. Et je vois qu'il y a des caisses autour de la cabane que je n'ai pas vu la dernière fois. Il va falloir penser à essayer de les bouger parce qu'il y a peut-être des loots dedans. Là, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans cette grotte-ci. Donc là, on voit qu'on a des serpents. À qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? C'était vraiment fait pour ne pas permettre de faire cette zone-là sans la lampe. Hein. C'est indubitable. Là, on a un taureau. C'est un ennemi. Aïe. Donc c'est un boss, je dirais même. Yes. Vous avez gagné un nouveau cœur. Ah, c'est tout, c'était pour un cœur. Oh. Vous n'avez pas un objet. Célèbre fabricant de panneaux. Campement du désert. Bon, bah on est mort. Oh! Donc on a eu un nouveau cœur, on a découvert un désert. Tout ça semble assez prometteur, je l'avoue. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ce petit jeu vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire. Si ça vous a plu, j'en ferai la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!